enfin gagné une victoire, ça fait du bien, même si c'était laborieux. On a été moins faible que l'adversaire. Dans le positif, c'est qu'on on a deux victoires pour pouvoir se maintenir. Il va falloir chercher au minimum 5 au deuxième tour. Mais maintenant, on peut plus se contenter d'être courageux. Il faut gagner des matchs. On a bien commencé le match. On a accroché l'équipe pendant tout un temps. Et puis on a craqué, et ce qui a fait prendre un petit écart et un puits à plus grand, etc. Donc c'est encore une défaite qui fait mal. Celle-ci fait encore plus mal que les autres parce que c'était vraiment la dernière chance. Maintenant il reste un tour complet, donc à nous de prouver qu'on est capable de le faire. Il manque au moins un joueur à chaque poste et ça on les attend depuis le début de l'année et on espère toujours qu'à un moment ou à un autre on aura ces joueurs qui arriveront. Les points positifs, c'est que l'ambiance reste dans le groupe malgré les défaites qui s'enchaînent. Et on a bien joué par moment, on les a bien tenus par moment, ce qui fait que si on arrive à être constant pendant tout le match, on peut gagner le match. Il y a quelques jeunes qui sont très forts, dont Justin qui pour moi fait un gros match aujourd'hui et l'homme de l'équipe.